Excusez-nous, elle est où la photo de classe? Quand vous sortez normalement devant l'école, juste à votre gauche. Merci beaucoup. Viens voir. Vous avez mis la radio? Vous avez réglé? Mais j'ai pas de radio, je t'ai dit. En cours, comment tu veux? Ouah, tu fais une obsession sur la radio, là, il faut souffler, Jordan, hein. Non, mais parce... écoute, vous faites des trucs trop chelous aussi, à part, c'est ça le problème. On va, je compte sur vous, super. Mais on a fait monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, exactement. Regroupez vos camarades rapidement, s'il vous plaît, parce qu'après, c'est plutôt toute l'école. Donc faites vite. J'aimerais bien, hein. Je compte sur vous. Bah, allez-y, on va. C'est vous qui a. C'est à toi qui l'a demandé. On aura deux points en plus. Non, mais là, tu dis qu'on fait des trucs chelous. On a fait quoi de chelou? On était en cours. Non, vas-y, tranquille. Il faut aller chercher Brandon, hein, sinon... Mais il est où, Brandon? Il est sorti avec vous. Il est monté en haut avec les mecs en noir, là. Quoi? Quel mec en noir? Les mecs, là, qui nous ont dit de dégager tout à l'heure avec les masques. Quoi. Et... Merci, moi j'aime beaucoup la voix. Et personne se pose de questions? Bah, si, mais tu veux que je fasse quoi? Merci, Jean-Charles. Bah, l'espionnier? Mais viens, on va aller le récupérer. On a la photo de classe, on va perdre des points encore. Bah, on va lui dire qu'on a la photo de classe, qu'il faut aller... Je sais pas. À l'arrière de go. Allez-y, prenez vos murs. Bon, je suis petit. Vous me dites. Non. Ah ouais. Il manque des élèves là, non? Ils sont vos camarades. Une sonnerie, monsieur le proviseur. Ah putain, faut aller chercher Brandon là, ce bâtard. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre de le chercher. C'est un Pokémon. J'en ai marre aussi. Il manque quelqu'un? Il manque Brandon. Il manque quelqu'un. Je vais aller voir où est-ce qu'il est, j'arrive. Il est à l'étage avec les professeurs de chimie. Ah bah le voilà. Allez, Brandon, s'il vous plaît. Allez, ah Brandon, vous êtes de plus en plus un élève perturbateur, j'ai l'impression. Vous aurez l'honneur, les bleus, de m'avoir comme professeur sur votre photo de classe. Trop bien. Merci pour ça. Brandon, t'as poussé le prof, tu t'en bats les couilles. Ah, je l'ai pas poussé. Brandon, il l'a éjecté. Monsieur le professeur, on va faire une photo toute l'école après, restez là, s'il vous plaît. Merci à vous, elle est très très belle. C'est bon? Attendez sur le côté. Madame l'infirmière, vous êtes combien? Restez sur le côté, on va faire une photo toute l'école. Hein. Carré. Pas, hein. Merci à vous. Il y en a pour 5 minutes si vous partez pas, il y en a pour 40 minutes si tout le monde s'en va. Non mais on part pas, stressé. Yeah. J'ai pris la photo, les jeunes. Oui, bah on nous a dit d'attendre, mon ref. Mais restez dans le coin en fait, restez dans les parages, c'est tout ce que je vous demande. Restez dans le coin, c'est tout. Carré. Comme okay. T'as peu coup. Yo, ça va les Lascar ou quoi? Non, merci. Il parle à qui lui? Oh, il parle à qui lui? Pourquoi j'ai une démarche là? Hein? Il voit le binoclard là? Quoi? Le bandit? Hein? Le bandit là, sa petite coupe au gel là. Hein? Faut Kito. Il est en train de te tailler, man. C'est quoi Kito? Ah, tu parlais à moi là, bâtard? Pour cacher sa calvitie. Oui, tu crois qu'il parle à qui? Ah ouais. Eh, t'as un béret, tu crois qu'on était en 1860, enfoiré ou quoi? Enfoiré? C'est qui je suis, moi? Bah vas-y, tu vas me le dire, en tout cas t'es pas Pablo Escobar, bâtard. Écoute, ça avec tes élèves comme toi, s'il faut, je perds mon job, bats les couilles. J'en prends 4 piges d'arrêt. Vas-y, fais-nous voir, viens, vas-y, on s'isole. Vas-y, fais ton lascar. Vas-y, j'arrive même au ralenti, bâtard, tu mérites pas que je cours. Oui, la photo de classe, ne venez pas. Gauche droit. Non, les enfants, allez, la photo de classe. Ouh, en plus, vous êtes bonhomme. Bonhomme. Au ralenti, je t'ai dit, j'arrive. Jordan. Ouais, y'a quoi? Si tu le mets KO, je te donne 1000$. C'est bon? Mais non, Kirby, ton argent, c'est mon argent, c'est ton argent, s'en bat les couilles. Non, mais je veux voir si tu le dégommes. Mais oui, je vais le dégommer, ce bâtard, avec sa tête de chien. Ah, ouais, je vais pas le dégommer, je veux voir ça. Elle est partie voir le proviseur là-bas, mais vas-y. Quoi? Mais c'est qui la balance? C'est qui la balance? C'est qui a balancé? Ah si, putain, il m'a fallu une demi-heure pour arriver là, bande de bâtards! Mais qui a balancé? Attendez! Je sais pas! Les professeurs, j'ai une question à vous poser. Ouais, dis-moi. Dites-moi, y'a pas moyen de faire un petit échange de bons procédés? Ouais, j'avoue. C'est-à-dire. On fait la paix! Pas genre un. Je sais pas, un petit pied de biche, par hasard! Qu'est-ce que vous avez, les gars? Ils ont casser les gueules! Eh, pied de biche, je vous donne 3000$, comme ça.
J'en ai, on en a. Contre quoi vous voulez ça? $3000 Ce que vous voulez. On voit l'argent. Vas-y, viens. Il y a pas d'argent. Oui, bonjour. Oh, les enfants. MacBurger. Non, c'est une pote. Mais nous, peur. Elle est avec nous, c'est carré. Écoutez, ce que vous voulez en échange. J'ai $3000, je te les donne cash, on discute pas. Exactement. C'est pas assez, $3000. Comment ça, tu veux combien? Ah, man, il veut. Des enfants, je pensais qu'on a des millions ou quoi. Ah ouais. Non, mais vous voulez quoi? Eh, 3000 de fer. $3000, un bout de fer, bâtard. Vas-y, lâche. D'argent, me parle pas en dollars là. Je réfléchis à ce que je vais te dire de faire là. Eh, si tu veux, on ligote un mec, on te la porte, je m'en bats les couilles, mais il nous faut ce pied de biche, ok? Je réfléchis là. Ça va ou quoi, Resident Evil? J'ai trouvé, on va revenir vers moi. Vas-y, on fait ça. Eh, madame. Oui. Vous savez que je vous ai vu dans des positions inadéquates. Quoi? Comment ça? Souvenez-vous la dernière fois. Bref, c'est pas grave. Vous auriez un petit pansement? Oui, bien sûr, justement. Je venais vous prévenir qu'après les photos, on pourra aller à l'infirmerie pour ceux qui ont besoin de soins. Et moi, vous savez quoi? Mon meilleur soin sera un petit bisou. Vas-y, toi. Vous avez votre ami juste à côté qui pourra vous le faire. Allez-y, je t'en la joue. Et voilà. Allez-y, je t'en la joue. Madame, voilà. Me mettez pas avant. Et voilà. Hey, Kirby, arrête d'en profiter, toi, putain! Et quoi? Tu voulais un bisou, non? Mais t'as pas. Mais, voilà. T'es à Nova, toi! J'ai eu votre bisou. Putain. T'en veux un autre, ma petite fille? Arrête. Nova? T'es sûr? Nova? T'es sûr, t'en veux pas un autre? Tu peux t'occuper de Kirby, là? Non, j'ai un mec, moi. Oh putain. Eh, hey, baby girl, tu me casses la tête avec ton cum! En plus, ça se voit que vous deux, il y a des sentiments, mais vous l'assumez pas. Arrête. Pourquoi tu fous ta merde, baby girl? C'est pas carré, ça. Pourquoi? Bah, c'est la vérité. Elle a qui cette belle voiture là de sport? Laquelle? Je sais pas. Mais tu penses que, du coup, Nova, tu penses qu'il nous faut 4 pieds de biche? Je pense, ouais. Parce qu'il y a 4 endroits qui sont. Ouais, mais du coup, on en a que 2. Enfin, potentiellement 2. On en a 2 sûrs. Le flic, je peux lui demander. Vous pensez on peut soutirer un truc au flic? Non, bah, des infos, sûrement, ouais. J'ai l'impression qu'on se fait rattraper. Oh putain, venez. Alors, monsieur l'agent. Oui. Je vous avais pas vu. Monsieur l'agent, j'ai besoin d'un service de fou furieux, t'as vu? Dites-moi. Carré, comme ta teuté. Quoi? Carré, j'ai dit. Oh, faites pas attention, il parle toujours comme ça, vous en faites. Voilà. C'est... Ah, très bien, dites-moi. Dites-moi, vous, est-ce que on peut parler... N'hésitez pas. Ouais, mais écoute-moi par contre. Est-ce qu'on peut parler négociation? Oui, on peut parler, oui, dites-moi. Monsieur le commissaire. Oui, bonsoir, vous allez bien? Écoutez, on va être cash, d'accord? Oui. On a des petites infos qui peuvent être très croustillantes pour vous. Ah, ça m'intéresse, dites-moi en plus. Ah, là, le problème, c'est que nous, on est jeunes, on est dans la fleur de la jeunesse. On aimerait transformer l'essai, monsieur. Oui. Monsieur le commissaire, c'est ça? Oui, bonsoir. Je vous les emprunte deux petites secondes, prof de chimie, enchanté. Les élèves, deux petites secondes, on vous les emprunte. J'arrive. On revient, monsieur. Et du coup, vos infos, vous me les donnez ou pas? C'est votre pote, là-bas, là, en bleu, là. Ouais. Vous avez demandé le pied de biche. Ouais. Donc, réunissez-vous, rendez-vous, là, au fond à gauche. Ouais. On va vous attendre, venez avec toute votre classe, on va vous donner la mission. Vas-y, carré. On vous donne un pied de biche, ok? Vas-y, la mission, elle va être difficile, hein. Ouais, carré. Très bien, on relève tout, on relève tout. Carré, les gars, carré. Rendez-vous tout de suite au joint gauche. On arrive. Il nous faut, c'est... Vous voyez, si on avait les radios là, on aurait pu déjà... C'est pour ça que j'insiste avec les radios, on aurait pu déjà se parler là. Putain, on perd du temps. Et là, c'est comme... Mais j'en sais rien, je sais pas. Venez. Il faut ces putains de radios là. Casse la tête. Mais ouais, je te l'ai... Mais personne m'écoute là, on me prend pour une salope. Et si, moi je t'écoutais, je l'ai, mon larme. Et c'est pour ça que j'insiste pour les radios, t'as vu? Non, mais ils sont qui à faire? Cascade! Eh les gars, activez vos radios là, c'est un enfer. Elle est où Nova? Mais je sais pas, putain. Dis, après tu lui dis. Mission, ils veulent toute la classe. Ils veulent toute la classe. Ils vont donner un autre pied de biche. Comment ça, qui veut toute la classe? Les deux profs de chimie. Je suis allé négocier avec les profs de chimie pour essayer, ouais. Écoutez, les deux profs de chien. On attend la classe verte et on va être prêt. Vas-y, carré, direct. Bien sûr, monsieur, vous avez le droit de prendre votre temps. Activez vos radios. Oh, elle est là, Nova! Mais qu'est-ce qu'elle prend?
Eh, hey, putain, mais Kirby, elle est venue te chercher, putain. C'est insupportable. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, allez, on y va, on y va. On y va. Vas-y, Nova. On est là. Pourquoi vous avez mis autant de temps? Ouais, bah parce que... parce qu'apparemment, personne s'est activé une radio. Bon, écoutez-moi, les enfants, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est ça que vous cherchez? Cherchons pété. Ouais, c'est ça, bâtard, allez, c'est ça. Donne-le à quelqu'un d'autre, tiens. Moi, je le veux. Vas-y, donne-le à Kirby. Et c'est quoi la mission? Non, je rigole, je vais pas te le donner. Bien bête celle-là, hein. Bien conne. Putain, c'est vrai. Vous allez dire comme ça, bande de cons. Écoutez-moi, écoutez-moi. Brandon, s'il te plaît. Je vais vous donner trois des sortes de petites menottes pour attacher quelqu'un. Mais tranquille, les enfants, c'est pour... voilà. Carré, carré. Alors, ouais. Vous allez me choper le Amine. Okay. Ce bio-là. Très bien. Ok, vas-y. Carré. Vas-y, on s'en occupe. Vous me l'attachez. Carré. Ensuite, ouais. Faut que vous soyez derrière son dos. Dès que vous êtes bien collé derrière son dos. Ouais, je t'inquiète. Vous donner une paire de ciseaux. Hein? Pourquoi tu me dis oui, t'inquiète, c'est même pas, j'ai plus. Tu même pas, tu t'es même pas. Laisse finir. Non, je crois que tu. Ouais, vas-y. Dis. Bah non. Ensuite, fais ses cheveux. Et vous lui dites, c'est de la part des profs de botanique, parce que tu as voulu envoyer Bobby nous frapper. Carré, carré, vas-y, carré. On lui coupe ses cheveux. Oui, carré, carré. Vas-y, donne les menottes, donne les menottes. 30 chauds, je veux voir. 30 chauds. Est-ce qu'on vous ramène la touffe en guise de crampe de guerre ou pas? Non, pas en... non, écoutez-moi, écoutez-moi, calmez-vous. La fille, un peu, bon... Comment tu t'appelles déjà, avec les lunettes de soleil, l'écharpe rouge? Kirby, Kirby. Oui, Kirby, elle a les trois menottes, et l'Asiatique, il a les trois ciseaux. Quel Asiatique? Ok. J'ai deux paires de ciseaux. Il parle de... Brandon. Oui, gros Saki, là. Ah, il est Asiatique, ce bâtard? Ah, je suis japonais. Vas-y, carré, carré. Mais t'as oublié, man. Hein? Il est raciste. Mais raciste de quoi? Raciste de quoi? Allez, on y va, on y va. Allez, allez, allez. Vas-y. Vas-y, on y va, on la photo. Let's go, on va lui faire la poisse. Eh, les gars, il faut des radios, je vous en supplie. Mais arrête. Oh, mais oh là là, t'es quatre coups. Mais sinon, c'est un enfer à se courir après, ça fait deux heures. J'adore ma classe. Vous êtes trop beaux, les professeurs. C'est bon, monsieur le photographe? Attends, mais. On vous remercie. Allez-y, allez-y tous. Faites une pétition pour Vercino, on a beaucoup les artistes. Vous pouvez vous mettre sur... Vous pouvez vous mettre sur le... Attends, c'est une photo de l'école. Allez, venez tout le monde, venez. Oui, oui, ça va, Johnny. Venez. Évitez de pousser, là. Il y a un professeur, mettons-le derrière. Ah, bonne idée. Voyons mon père, la photo. Ah, c'est choqué, la cabre. Excusez-moi. Faut qu'on se baisse. Assis-toi, Abid, assis-toi. Ouais, assis. Eh, le mec avec la casquette, assis-toi là. Bachir, assis-toi. Léo, assis-toi. Tous ceux devant le banc, asseyez-vous. Moi, j'aime bien. Amine. Je m'assois. Merde. Assieds-vous. Eh, je t'en supplie, toi, avec ton boule. Rejoins Aziz, mettez-vous devant, on vous voit pas. S'il vous plaît, mettez-vous à la place des autres. On veut faire une belle photo tous ensemble, alors s'il vous plaît, faites un effort. Elle tue la photo là. On voit pas le proviseur, on le voit pas. Ah, dommage quoi. Proviseur, on voyait pas vous là. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, monsieur le photographe? C'est bon là, c'est bon, prenez la photo. Assieds-toi, assieds-vous. Mais il nous dit même pas de cheese. C'est bon, j'en ai fait deux. Vas-y, cheese. C'est bon. La mère. Ouais, mais il est malade lui. Mais du faux. C'est bon. Allez, c'est bon, j'en peux plus. Venez. Non. Il est où? Eh, vas-y, viens Kirby, viens Kirby. C'est pas moi. Non, mais c'est pas. Non, si c'est vous. Vas-y, tu sais quoi? Je vais te donner la radio. Mais j'ai déjà une radio, moi. Mais tu la donneras à eux, je m'en bats les couilles là. Vas-y, c'est bon. Mais toi, t'en as pas?
Mais si, mais non, ça c'est... garde-la. Non, ça m'a saoulé, ça sert à rien, personne l'utilise, nique sa mère, ça mais sert à rien. Mais si, garde-la. Ça sert à rien, ça fait garde, deux heures. Mais tu on se court pas, tous. Eh ben, je vais la donner à je sais pas qui, Aziz, là, vas-y. Non, 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 sinon, attends, il y a autre chose de plus intelligent à faire. Mais il y a rien de plus intelligent qu'allumer si. Cette de se mettre d'accord, en fait. Oh, vas-y. Genre. Si, il y a un truc plus intelligent à faire. Ah ouais, il y a quoi? Échanger contre la même chose parce qu'on en a besoin de 4. 4 pour ce putain de truc de merde. Non. Non. Et tu veux l'échanger à qui? C'est quoi là? Peu importe. On bien mal, mais non, mais ça sert à rien, je te dis. Je vais la donner à. La photo. Incapable. Les bleus, les bleus, les bleus. Quoi? Il est en train d'aller discuter, ouais. Attends, qu'est-ce qu'elle veut? Mais tu vois bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il est en rien. Train d'aller. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous venez? Alors, ah, passage après, il a dit, ah, pardon, on se met. Mais pourquoi il y a tout le monde qui vient? Pourquoi vous venez tous là, les verts? Mais parce qu'on voulait juste courir autour juste de l'école, comme d'habitude. Vas-y, vas-y, on s'en va. Tu fais confiance? Bah, je sais pas. Je crois que c'est à toi. Vas-y, va, va, vas-y. T'es sûr? Bah, je sais pas. Demande à Brandon le signal. Mais, des donuts sucrés au sucre secret aussi. Des dîners au sucre secret, Marge. Marge, je voudrais être honnête. Nova, pourquoi tu nous as dit de venir? Parce que. Je pense que je vais plaquer Bobby. Quoi? Quoi? Ouais, il me dit jamais bonjour, il fait comme si que j'existais pas, quand je lui parlais, il a jamais le temps. Et même, mais il là... me dit même pas bonjour, ça sert à quoi d'être en couple? Mais ça là, il a des problèmes, parce qu'il a des problèmes. Mais là, il a des problèmes. Ouais, bah il a pas de problème quand il s'agit de traîner avec vous et de rigoler. Mais non, c'est pas... Non, moi j'avoue, parce que je l'utilise beaucoup pour le sport. Et j'ai besoin d'un partenaire, mais si je t'inquiète, je vais te le laisser. Ok. Elle est triste, il faut que vous la consoliez. Bah ouais, Jordan va la consoler. Bah t'es c'est la copine Stark là. Attends, hey, c'est quoi les bails là? C'est quoi les bails? Attends, j'arrive, Emily. Je suis censé tuer? Ouais. En gros, j'ai vu Brandon courir. Ouais. Tout seul, il avait les rouges après lui, dans un coin. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis de venir, j'avais peur qu'il y ait des soucis. Ah, ok. Mais là, je crois qu'ils vont mettre le plan exécution. Hein. Ah, ils sont derrière? Ouais. Mais quelqu'un, ok, vas-y, viens. Bah, c'est les profs. Oui, c'est l'exercice. C'est l'exercice, oui, Nash. Ah, okay. Mais ouais, là, on est en exercice. Oh là. C'est un exercice, c'est un exercice théâtral. C'est théâtral, c'est théâtral. Ok. Allez, vas-y. Les gars, dors-toi, faut aller dormir. Attends, attends, tais-toi. Tais-toi, Steven Seagal. Je te tiens par la couette, On te bloque là, man. Eh, je te stabilise là. Oh. Tu bouges plus, je te dis! Arlette, les rouges, arlette! Wesh, à quoi? C'est quoi, 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 c'est quoi là? Mais non, les élèves, bougez! C'est quoi là? Quoi, bâtard? Quoi, bâtard, va! Avec ta tête! Y'a quoi? Ta tête! Ta tête, je te dis! Fixation béton là, de merde! Mais! Et toi, tes boutons de fixation béton, sale chien, va! Eh, oublie pas qu'il y a écrit pétasse pute sur ton maillot! Tiens, dans ta gueule, toi! Touche pas, Nova! Touche pas, on t'a dit! Espèce de traître! Merde, Nova! Oh putain! S'il vous plaît, il se passe quoi? Revenez ici, madame, revenez ici! Putain, mais il se passe comme des putes, les rouges, la vie de ma mère! Mais fais pareil, toi! Titan! Ça va, man? Ça va! Carré! Vas-y, je sais pas si on a réussi à le faire! Je sais pas, mais là faut se réveiller là. Vous avez vu la Emily qui m'a cassé la. Non, la Yellow qui m'a cassé la. Ouais, mais on va la retrouver. Mais t'inquiète, elle. J'ai vu. De suite. S'il vous plaît, les élèves dans les dortoirs. Putain. Ouais. Donc, professeur, s'il vous plaît, monsieur voilà, le professeur. Parfait. Venez, faut que je vous parle. Eh, t'as pas réussi? On va dans les backrooms ou pas? Backrooms? Y'a tout le monde qui est venu en même temps, c'est ça? Eh, backrooms ou pas? Backrooms ou pas? Y'a eu un problème. Incapable. Bande incapable. C'est vraiment nul. Vous êtes nuls. Mais non, ça fait 30 ans on le tenait là. On l'a tenu pendant 30 ans. Eh oui, on l'a tenu 30 ans. Pendant 30 ans on le tenait. Pourquoi? La vie de ma mère, ça coupait pas. Ah ouais. Mais ouais. Mais c'est pas possible, j'ai fait le test avant. C'est impossible, on a tenu. Mais il a fait que ça, on l'a tenu pendant 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on le tient là. Vas-y. Mes cheveux. Mais c'est pas possible, ça pas marché. Faites le test sur un de vous. Non, donnez, non, ouais, donnez. Quelqu'un se sacrifie, on teste là. Non, donnez. Bah, on a. Eh, hey, ça fait combien de temps là? Il a fait que ça charmer le boug. Faites,
Je fais de surnage. Entraînez-vous sur. Allez, faites le surnage. Voilà. Vous pouvez le faire, les enfants. Allez-y. Mais il a pas de cheveux, wesh. Parce que allez-y. Tu recules, toi, toi avec l'écharpe, fallait que tu recules pour que lui, il puisse le couper. Attachez-moi. Mais c'est ce qu'on a fait, mais on est obligé, sinon il part en courant, ce fils de chien. Voilà. Mais ça, c'est qui coupe là. Qui a des ciseaux? Allez, du coupe. Bah, j'ai pas, j'ai pas. Il a rien déjà, wesh. Vas-y, donne-nous une deuxième chance, donne-nous une deuxième chance. Écoute, man, on va l'avoir. Regarde, maintenant, c'est Aziz qui a les ciseaux. C'est Aziz qui a les ciseaux. C'est bon. C'est bon, c'est Aziz qui a les ciseaux maintenant. Fais-nous confiance. Espèce de nul, vous êtes nul. Vous êtes nul. Ouais, par contre, on a fait du mieux quand même. Bon, dernière chance. Ah non, mais moi, on l'a bloqué et tout. Non, vas-y, en vrai, on l'a fait, abuse pas, force pas, bah ouais. Il faisait que de gigoter, il voulait pas s'arrêter de bouger. Oh, on lui... Non, je vous donne pas... Mais on lui a dit, t'es menotté, tu veux pas bouger, il fait que de bouger, ce bâtard. En fait, je vous ai vu, on vous a observé, nous. Bah ouais, bah t'as mal observé. Ah ouais, j'ai dit bouger. Il bougeait pas, il bougeait pas. Ah bah ça marchait pas au début. Oui, parce qu'au début, parce qu'elle était trop collée, elle. Elle était trop collée, fallait qu'elle recule un peu. Mais elle parlait bien que je l'attache. Bon, ouais, écoute, man. Chef, tu m'as pas bien détaché. Attendez. Ouais. Bon, les élèves, c'est pas grave. Refaites-le encore une deuxième fois. Refaites-le. Trouvez. Ok. Oui, bien sûr, on va l'avoir. Eh, lâche un pansement, s'il te plaît. Un pansement naturel, t'as vu? T'as dit quoi? T'as pas un petit pansement naturel à base d'oligo-éléments? Bah non, pas du tout, c'est quoi ça? Bah mais un pansement normal alors, je sais pas, frère, je suis blessé. Parle bien la famille, je suis pas ton poteau. Ok, vas-y, tranquille, bâtard, ok, je m'excuse, Ouais. Carré. Mais bon, et concernant le pansement, et bah tu vas voir l'infirmière, tout simplement. Mais non, vas-y, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît. Je peux pas. Il nous demande d'aller dans les dortoirs. Je peux pas. Un pansement? Sinon, je te l'aurais fait. Une petite licorne? Un bout de PQ? Mais Non, là-bas, fais-lui un pansement, s'il te plaît. Tiens, un bisou magique sur ta bouche. Allez, dégage. Merci, Scaré. Tu m'as soigné, là? Non, je t'ai branlé. Vas-y, dégage. Ah, bah, vas-y, ça, c'est bien, j'aime bien. Et ces élèves sont... dissipés, hein. Je crois que c'est Aziz qui a balancé. Aziz, hein. Mais non. Il était déterminé. Il y a sa meuf qui arrive en première. C'est ça le problème. Je crois qu'il a balancé, il était pas là. Bon, arrêtez de trop parler. Faut qu'on arrête de parler. Allez agir. Aziz, il va réagir. Faut penser au mec, t'as raison. Mais non, mais. Eh, partez pas dans des délires de fou, genre en mode c'est Aziz ou je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai par contre. C'est vrai, c'est-à-dire que. Viens. Vas-y. J'ai rendez-vous avec le concierge en solo, c'est pour prendre des infos sur la pépite. Vas-y. Bon, bah les radios, ça sert à rien, je les revends. Je vais bicrave les radios, hein. Randon, regarde-le. Il est où? Là-bas, là. On va discuter avec le prof, ouais. Eh, on va jamais s'en sortir. On est en train de perdre toute notre avance. On fait n'importe quoi. Mais man, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça casse la tête. Et comment il fait? Regarde, t'as vu les deux, là? Voilà, regarde les deux. Il est parti avec qui? Ils sont à gauche. T'as les menottes? Attends, ils sont partis. Eh, ils sont partis par là, mais ils ont disparu. Attends. Si, tu bouges pas. Eh, qu'est-ce que vous faites là? Tu bouges pas. Eh, qu'est-ce que vous faites là? Eh, bouge pas. T'as été tasé deux fois, bâtard. Toi aussi, tu bouges pas. Eh, vous faites quoi là? Oh, c'est quoi les bails ici? C'est quoi les bails? Oh, parlez. On allait aider les élèves à sortir du dortoir. Ouais. Il se passe quoi? Dis-nous. Je peux pas parler, je suis tasé. Dis-nous. Eh, vas-y, mets-lui les menottes, lui rend fou aussi. Eh, vas-y, allez, va, contre le coin là. Vous deux là, venez là. Allez, contre le coin là. Non, là où vous étiez. Non, eh, oh. On y va. Eh, c'est quoi les bails là? Expliquez maintenant. Expliquez. Écoutez, on est en train de chercher un pied de biche. Ouais, pour faire quoi? On peut peut-être vous aider. Apparemment, il y a de la dinguerie avec un pied de biche. Mais okay. On cherche juste un pied de biche. Vous en avez combien là? Vous en avez combien? Dis on la vérité. On a zéro. Vas-y, c'est quoi? Je t'explique. Vas-y, explique.
Ok. Explique vite. Tu vois la plaque là je sais pas si t'as vu, il y a une grosse plaque là-bas, genre au pied du. Dans la cour là, une grande plaque. Ouais, t'inquiète. Au bout d'une escalier. Ouais. Ronde. Ouais. Et eh ben en fait, c'était un pied de biche. Enlève-lui les menottes. Ouais, je sais, mais ça, on le sait. Enlève-lui les menottes, enlève-lui les menottes. Oh, monsieur, je suis monsieur le directeur, vous pouvez sauter s'il vous plaît. Monsieur le directeur, monsieur le directeur. C'est quoi cette histoire là? Bah, sautez, je vais vous expliquer, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, je vais tout vous expliquer. Vous savez quoi, monsieur le directeur? Vous écoute. Non, mais sautez par contre, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, il a un taser. Mais non. Retirez-lui les menottes là. Mais non, mais c'est pas nous. Mais vous voyez bien que c'est pas des menottes, monsieur, qu'il a. Oui, il a pas des menottes. C'est pas des menottes, c'est du fil. Non, mais il a rien. Enlevez le fil, voilà. Bon, c'est écoutez, du fil, monsieur le proviseur, moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous avez donné des avertissements comme quoi il fallait rentrer au dortoir, vrai ou faux? Oui. Voilà, moi, je vais pas vous mentir, j'étais sur le petit toit, on était en train de discuter au calme. On voit ces deux personnes, Amine et l'autre suceur de queue là, le céréal sucker. On les voit courir et ils se calent. Et ils se calent ici là, dans ce coin là. Et quand on va les voir, on leur fait ouais, vous faites quoi là? Vous savez ce qu'ils disent? Demandez-leur ce qu'ils faisaient là. Demandez-leur, monsieur le directeur. Parce que des belles bêtes comme ça, on peut pas les traîner. Demandez-leur. Stop, je veux rien savoir. Moins 20 points pour la classe rouge, moins 20 points pour la classe bleue. C'est pas vous qui faites la justice ici, il y a un souci comme ça, vous venez me voir. Allez, excusez-nous, carré. Vas-y, carré. Monsieur, ok, on y va, monsieur le proviseur. Putain, j'en ai marre. J'ai une soirée, moi, qui m'attend, hein. C'est mon anniversaire et je suis en train de m'occuper d'énergumènes comme vous. Joyeux anniversaire. Me dites pas joyeux anniversaire, c'est malhonnête venant de vous. Quoi? Mais attendez, monsieur le directeur, on vous aime bien, vous. Quand même, on peut pas vous le souhaiter. Non, je veux pas que vous me le souhaitiez. Alors, mauvais anniversaire. Monsieur, la personne en bleu, là, le mec en bleu, il a un taser. Il a un taser sur lui, monsieur. Attendez, vous savez quoi? Attendez. Je vais le fouiller. Voilà, vas-y, fouillez-moi. Les deux. Non, Kirby, va au dortoir. Kirby, va au dortoir. Kirby, reste ici. Tout, hein. Vas-y, fouillez-moi, vas-y, trouvez un taser. Arrêtez de croire des menteurs, regardez-les, ils ont juste le seum. Ils ont juste le seum. Vas-y, fouillez-moi, je suis une salope si j'ai un taser. Voilà. Allez, je ne suis pas en mesure de fouiller une fille. Voilà, allez. Je vais chercher une surveillance si besoin, mais on va voir là-dessus. Et combien de points en moins ils ont là? Monsieur le directeur, combien de points en moins? Je vais en mettre moins 5. C'est tout? Putain, ça valait pas le coup ça, merde, j'aurais dû avoir un taser. Eh, je suis une salope, je vais les suivre comme leur ombre. On va dans le dortoir, monsieur. Alors? Oui, vous y allez. Alors, mon petit Johnny, on attend. C'est ta mère. Ah, Johnny. Eh, Johnny. On raconte des conneries. Bah alors. Eh, il faut avoir les yeux en face des trous. Bah ouais, mon petit Johnny. Ma petite suceuse. Kirby, vous allez rester avec moi, Kirby. Ouais, fouille là, monsieur. On va avoir une surveillance pour pouvoir vous fouiller et être sûr que vous avez rien. Ah, attends, donne rien. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes, John? Mais bouge de là, toi. Mais ouais, qu'est-ce que tu racontes? Il a trois, sa mère. Ah, lui a donné. Voilà, c'est quoi là? Revenez ici. Non, j'ai donné. Ah, je peux jouer au con. Entrez, ça arrive. Prends un taser, toi. Oh, je l'ai. Ah, t'as le taser? Ah, lourd! Je lui ai donné mes notes! Ouais, carré. Tiens, tu viens, Aziz, viens dans ma chambre, Aziz, vite! Je te donne le taser. Attends, bouge pas. J'en ai un déjà. Mais non, on va être fouillé. Moi, je vais être fouillé, Kirby. T'es sûr? Oui, c'est sûr, putain. Ça va ou quoi, Kirby? Ouais, ça va, et toi? Carré. À part quelle langue? Ah, du coup, parce que mon ange. On réunit toute l'école et on dit qu'il y a une fête et on y va tous. Comme ça, il y en aura peut-être un qui a une solution pour sortir. Ça change rien, il faut que quelqu'un puisse. Ouais, mais ça se trouve. C'est ça que je te dis. Non, pas moi, il me manque. Ton option là. J'ai une idée de fou. C'est bon, j'ai une idée de avec toute l'école. On est façon. On est super cool. Ouais, t'es grave cool, mais parle moins fort, je t'en supplie. C'est ça. Aziz, viens voir. Super cool, ça fait plaisir. Mais ben, continuez d'être cool. Hein. Ouais, pas de soucis, y'a pas de soucis. Qui est en train de monter tout le monde contre nous, ils balancent toutes les infos qu'ils ont, etc. Ils sont en train de parler à Romuald. Mais c'est pas grave, laisse-nous mettre dans la sauce. Y a Amine qui est en train de donner nos infos aux autres, il est en train de les monter contre nous pour qu'on se fasse choper. Croche-patte. Pour se faire choper comment?
J'en sais rien, elle a dit ouais, je déteste les bleus, toi je t'aime bien, les verts je les aime bien, mais les bleus, il est en train de monter tout le monde contre nous, il a dit je veux te dire un truc de fou. C'est normal, c'est normal, prêt, c'est parce qu'on les a... Ouais, mais on les a niqués ouais, là. Mais il faut pas qu'ils tombent dans le panneau les autres, c'est tout, il faut qu'ils aient deux trucs. Voilà, clés, c'est tu vois. Ça. Mais ils vont tomber dans le panneau. Par contre, j'ai entendu une information importante. Vas-y. La porte, c'est une porte électronique, la porte pour sortir, elle a une défaillance, et des fois pendant une seconde elle bug et on peut sortir. Quand c'est une porte électronique. La porte où? La porte où? D'entrée. Et lui, faites gaffe, il y a l'autre salope chuchotée. Bah. Laquelle? Voilà. Beaucoup, tu vois, bah, non mais là. Il a entendu, hein. Voilà. T'inquiète, lui c'est une belle salope, faites bien gaffe. De qui? De qui? Le gars avec sa casquette là qui parle pas français là. Enfin, il fait croire qu'il parle pas français. Ok, voilà. Eh, hey, il faut suivre les rouges comme leur ombre. Non, là je t'inquiète, il y a les verts, ils vont essayer de parler sur nous et nous choper là, je les entends, ils se mettent dans un corps de match. Nova, par contre j'ai une information qui est grave. Vas-y, dis-moi. Ok. La pépite. Ouais. C'est la vraie clé. Ah, c'était sûr, c'était sûr. Tu ne la vends pas, tu n'en parles plus, tu ne l'as plus, tu la caches dans un endroit que personne ne trouvera. Là, okay. Je serai sur moi, si je me fais péter, je suis dans la merde. Oh putain, allez, on va rester avec toi. Ok, d'accord. Ouais. C'est ça, la vraie clé. Oh non, mais et pourquoi d'infos sûres. Au fait, Nova, t'es plutôt contente ou pas? T'es plutôt contente ou pas? Je pensais vraiment que t'étais quelqu'un de sympa. De fou. De quoi? De quoi? Allez, vas-y, toi, va te faire foutre, Aziz. Elle a trop raison. J'ai fait quoi? Ah ben, c'est juste. Je sais pas, elle parle comme une connasse. Elle répond comme une connasse. Il faut qu'on s'échappe et tu poses ça dans ton casier direct. Dans ton casier? Moi, je le donne, okay. Vas-y, moi je vais parler au vert. Parler au vert. Allez-y, je vais parler au vert. Je vais faire genre diversion pour pas qu'il s'occupe de nous là. Eh, excusez-moi, je peux vous parler sincèrement? Sincèrement? Oui. Non, vous allez encore faire des mensonges et de la manipulation. Non, alors, non, écoutez, s'il vous plaît. Bah, merci beaucoup, hein, du vol. De quoi? Du vol de quoi? Mais de quoi? À Bobby. Leïu, Emily, à toutes. De quoi vous parlez? À toutes. Non, mais d'accord. De quoi vous parlez là? De quoi on parle? S'il te plaît, arrêtez au bout d'un moment, vous volez tout à tout le monde. Quoi? Moi, j'avais quelque chose dans mon armoire, d'accord? T'avais quoi? Attends, t'as rien volé! Tu peux me laisser finir? Là, moi, je vais en haut pour aller me changer, je vois Nova sortir en courant de ma chambre. Pour aller dans celle juste en face. Et t'as volé quoi? Ça va te faire toutes les armoires? Mais t'as volé quoi? Mais de quoi vous parlez? Non, vous êtes fous. Écoutez-moi bien, 2 secondes, s'il vous plaît, d'accord? Après, vous en faites ce que vous voulez, y a pas de souci. Oh, les rouges, depuis le début de cette putain de school de merde là, j'ai pas demandé à être là, ok? Depuis le premier jour, ils se la jouent solo. Là, comme par hasard, ils essayent de vous monter contre nous, et vous, vous tombez dedans, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. C'est qui les premières personnes à avoir fait les premiers pas vers vous pour vous dire on doit travailler ensemble? C'est nous, putain! Écoutez, je vous explique. Oui. Ils ont pris le seum, je vous explique, ils ont pris le seum parce que. On les a chopés en train de se cacher dehors. Voilà. On les a chopés, on les a... Voilà, et le proviseur est arrivé, et du coup, on s'est tous fait niquer, mais voilà, c'est juste pour ça. Ils ont le seum, du coup. Vous savez quoi? Vas-y, on va pas parler 20 ans, ça sert à rien, Kirby, on s'en bat les couilles. Maintenant, juste, si vous avez plus de 5 de QI, réfléchissez à qui est venu faire les premiers pas vers vous. Est-ce que c'est les bleus ou c'est les rouges? Pour moi, c'est les bleus. Vas-y, après, choisissez votre camp, nous, on s'en bat les couilles. Et alors, vous avez bien fait un pas vers Suzy pour lui voler quelque chose, non? Mais on n'a rien volé, j'ai rien volé à personne, vous êtes malade ou quoi? Ça, en plus de ça, tu vois, ça c'est ouais, faut une arrêter, histoire c'est en pas, plus de ça qui pas. A été réglée et on en a discuté. Elle a été réglée et on travaille avec les jaunes, on leur a dit c'est bla ça. Les infos et tout. Exactement, tu vois, en fait là, c'est vas-y, dommage. C'est quoi, tu veux une info? Mais demande. Attends, s'il te plaît, je peux essayer de répondre au lieu que vous enchaînez tous les deux? Tu vois, c'est pas méchant, mais c'est juste qu'en fait, vous nous parlez pas et vous nous dites rien. Même mais quand vous demandez rien. Juste de venir comme ça. Attends, s'il te plaît, putain. Non, vas-y, je me casse. Franchement, même quand on essaye juste de venir. Non, mais mec, s'il te plaît, toi, je te laisse faire ton speech, je peux pas parler, moi. Enfin, tu vois, c'est pas méchant. Ça sert à rien, ça sert à rien de parler, frère. Ils sont matrixés par les rouges, je sais pas pourquoi. En vrai, je sais pas ce que j'ai rien suivi, maman. Je sais pas, ils sont matrixés. Moi, je suis assez d'accord avec vous, hein. Eux, ils nous ont toujours tapé et menacé. Mais je sais, mais c'est ce que j'essaye de vous dire. Mais vous voulez pas m'écouter, personne veut nous écouter. Oh, les rouges, ils vous ont toujours insulté. Ils ont pris le somme d'une fois, là, parce que, vas-y. Pour une fois, on les a fait. On les voit jamais, on les capte jamais, on les fait une fois, ils pètent leur somme, ils viennent nous raconter n'importe quoi. Kirby, elle a jamais rien volé, moi j'ai jamais rien volé, Nova a jamais rien volé à vous, et encore moins Brandon. Donc sincèrement... Faut savoir une chose, Suzy elle me l'a donné, hein. Mais voilà. Ouais. Brandon, viens voir. Quoi? Dis au vert. Qu'est-ce qu'elle a, Suzy? En plus de ça, dis au vert. Dis au vert ce que pensent les rouges des verts, s'il te plaît. Mais tu sais, par Ah, les rouges, ils vous détestent. Bah voilà.
Voilà, merci Brandon. Les rouges, je vous prenne pour des cons, ils se servent de rouges. Oh, Brandon, c'est pas un mytho. Il y a un bleu, c'est vous aussi qui vient de... de nous prendre pour un con. Mais qui, Mais qui Aziz, il nous a insulté. Donc, vous nous prenez un peu tous pour des cons. Non. Il a dit qu'on était des losers. Moi, dans tous les cas, j'ai pas besoin de vous. Vous me servez à rien, j'en ai rien à foutre. Donc, moi, je suis honnête. Ah là, je vous sers à rien, vous servez à rien. Ah, c'est la merde. Les rouges, ils ont foutu leur merde. Carré. Les rouges, ils ont foutu leur merde, ils ont réussi. Bien sûr qu'ils vont foutre la merde, c'est évident. Bah les rouges, ils ont foutu leur merde, ils vont parler au vert, ils vont parler au jaune, ils disent la merde. Ouais, mais les tout le monde va les écouter en mode « Ah oui, vous avez raison, parce que... Bah, » Bah ouais, ça c'est... Mais non, Lui, c'est un bon, il a... Dès le début, ils il sait. Mais il se passe quoi, là, j'ai rien compris. Bah, il y a Amin, d'accord, qui va voir toutes les classes et qui s'amuse à dire qu'on est des salopes, des voleurs et tout. Truc, les rouges, ils sont juste méchants. Bah ouais. Ils nous ont tapé toute la journée. Bah ouais. Ouais, c'est ce que je fais, je m'en bats les couilles. C'est ce que je leur ai dit. C'est clairement ce qu'il faut faire. Comment elle s'appelle la meuf, la blonde, là, chez les verts, là? La blonde chez les verts? Ouais. C'est Emily. Oh, il y a Ganesh. Emily. Ouais, mon frère. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.